Mina, oui, effectivement, le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici donc l'intégralité de ce message. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'Algérie traverse une étape sensible de son histoire. Ce 8 mars, pour le troisième vendredi consécutif, d'importantes marches populaires ont eu lieu à travers le pays. J'ai suivi ces développements et comme je vous l'ai déjà annoncé le 3 de ce mois, je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d'expression dont je tiens une fois de plus à saluer le caractère pacifique.